Bon, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu spéciale, on va dire, parce que en fait j'ai beaucoup de demandes pour savoir comment avoir certains jeux de chevaux, etc. Donc voilà, parce que j'avais mis des jeux de chevaux et c'est vrai que les vidéos sont vraiment beaucoup vues. Donc j'étais même étonné, donc ça plaît quoi. Et non. Moi, les jeux de chevaux, ben, j'aime bien jouer comme ça de temps en temps, mais voilà, c'était juste comme ça pour mettre sur YouTube pour faire voir. Donc, puis ils ont marché les vidéos, je suis même étonné. Et on me demande beaucoup comment avoir ces jeux en fait sur PC. Donc voilà, je suis là pour répondre à ces questions parce que souvent je réponds. Et voilà, j'ai toujours d'autres messages pour demander comment faire. Donc je vais vous dire comment faire. Donc normalement j'ai pas trop le droit légal, on va dire, de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu hésitant avant de le faire. Donc je vais quand même le faire. Mais je tiens à prévenir, si j'ai des problèmes avec la vidéo, je vais l'enlever. Ça, c'est sûr et certain. Donc moi j'ai pas de problème sur YouTube et j'en veux pas. Et je l'enlèverai, sinon je vais me faire fermer ma chaîne. Donc je tiens à le signaler. Si la vidéo me cause des problèmes, j'enlèverai la vidéo. Donc voilà. Donc c'est vrai que les jeux de chevaux, c'est un peu chiant parce que c'est vrai. C'est dommage qu'ils les mettent pas en free-to-play, par exemple. Il y a des grands jeux comme Ion, Terra. Enfin, c'est surtout les MMO, souvent les free to play, c'est beaucoup, beaucoup quoi. Et c'est dommage, oui, c'est vraiment dommage qu'ils mettent pas ces jeux-là aussi, quelques jeux de chevaux, par exemple, en free to play. C'est vraiment dommage. Surtout des, voilà, c'est vrai que c'est dommage. C'est un peu chiant. Donc, on est un peu obligé de les avoir illégalement, quoi, les jeux. Donc, c'est sûr, c'est emmerdant. Je le comprends tout à fait. Donc ceci dit, c'est pas dur d'avoir un jeu sur PC. Moi, je vais vous faire voir des bases. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on sait, c'est vraiment facile. C'est un jeu d'enfant. Donc, je vais vous faire voir déjà deux choses importantes à avoir. Je mets déjà mes affiches du bureau. Donc, ceci dit, le très important à avoir pour pouvoir mettre un jeu, les programmes les plus demandés. C'est pas compliqué et c'est gratuit. Déjà avoir Virtual Clone Driver. Donc je vais vous faire voir. Ça c'est, on verra ça après. Hop. Donc deux programmes importants, trois programmes même importants. Donc tout d'abord, vous téléchargez ceci. Donc la plupart des gens l'ont de toute façon. Pas ZTorrent, qu'est-ce que je raconte? UTorrent. Vous téléchargez un UTorrent. Peu importe lequel, hein, vous vous en foutez. C'est juste un programme pour pouvoir télécharger. Vous voyez, vous l'avez même gratuitement. Un uTorrent, vous l'avez gratuitement. C'est pas incité franchement au téléchargement. C'est clair quoi. C'est gratuit, hein, sur truc public. Voilà. Vous téléchargez ceci, vous l'installez. Ça va vous donner un programme comme ceci en fait. Une fois que vous l'aurez installé. Je vais vous faire voir ce que ça va vous donner. Hop. Voilà. Ça va vous donner ceci. Voilà. Il faut avoir, faut vous mettez ce programme-là, obligatoirement, si vous voulez pouvoir télécharger. Donc, vous voyez, hop. Donc, là, je vais fermer. J'ai téléchargé mes deux jeux de chevaux, juste pour vous, pour faire la vidéo. Parce que moi, j'avais effacé depuis le temps, enlevé de l'ordinateur, hein. Hop. Donc vous téléchargez ce logiciel et vous l'installez. Donc je vais pas vous faire voir parce que moi c'est déjà installé. Donc voilà. Après avoir téléchargé ce logiciel et l'avoir installé, je vais vous dire de mettre. Bien sûr, si vous n'avez pas les logiciels, hein. Donc sinon si vous avez déjà, c'est pas la peine. Après, important aussi, c'est WinRAR. Parce que la plupart du temps, les dossiers sont en WinRAR quand vous téléchargez. Donc c'est pareil, là, télécharger WinRAR en public, hein, vous en foutez. Mais si c'est marqué version d'essai, vous en foutez, hein, ça marche très bien. Donc vous téléchargez un WinRAR.
Et il voulait installer tout banalement. Donc voilà. C'est juste pour pouvoir voir les fichiers WinRAR, hein, pour pouvoir les décompresser. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Après, le dernier logiciel à avoir, donc c'est ceci. C'est. Déjà, je vais mettre Google. Voilà. Donc c'est Virtual Globe Clone Drive. Donc c'est comme Daemon 2 là, mais il est on va dire, il est beaucoup plus léger pour votre PC. Hein. Il est moins complexe. Donc c'est comme Daemon 2. Moi je vous conseille de prendre. Bah, vous pouvez prendre Daemon 2, c'est pas grave. Moi je vous conseille de prendre celui-là, Virtual Clone Drive. Donc pareil hein, sur public. Pareil, hein, c'est gratuit. Hein, hop, vous téléchargez ceci et vous l'installez. Ça, c'est pour lire. Ça fait un lecteur CD virtuel, tout simplement, ou pour démonter en fait les CD. Je vais vous faire voir tout ceci. De toute façon, vous allez voir, c'est très facile. C'est très facile. C'est avoir un jeu sur PC, c'est vraiment c'est easy, on pourrait dire easy, easy, easy. Un enfant de 10 ans, sait le faire, j'en suis sûr et certain. Donc, bien sûr, si c'est le faire. Mais si la personne sait faire, je vais vous dire, même un enfant de 8 ans, il peut y arriver. C'est vraiment facile. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai les liens des jeux pour les avoir. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, franchement. Je vais vous taper un exemple. Là, c'est Alexandre Lederman 8 hein, qu'on m'a demandé. Je l'ai même téléchargé hein, en 3 heures, en 4 heures, vous l'avez. Je vais vous faire voir. Alexandra Lederman, par exemple. Je sais pas. Alexandra Lederman. Voilà. 9 PC. Il suffit de taper le nom du jeu, vous mettez PC Torrent. Hop. Voilà. Ça va rechercher et ça va vous mettre des liens, hein, des machins. Et puis vous fouinez, hein, tout simplement, vous fouinez. Hop, j'ai tapé sur le premier là. Là, il n'y a rien. Il n'y a plus dalle. Voilà, c'est. Faut juste chercher et puis on trouve. S'il veut bien remettre une autre page. Bon, il me fait quoi là? D'accord. Alors, hop, taper sur celui-là, tiens, au hasard. Allez, allez. Donc voilà. Ah, c'est ouais, sur Wii là. Sur Wii, j'en veux pas. On va le trouver, vous inquiétez pas. Faut fouiller un peu tout et ça m'embête un petit peu. Voilà. Voilà, j'en ai trouvé un. Ça, la colline aux cheveux sauvages, c'est le 9. Donc, sur le 9, de toute façon, vous avez deux parties de jeu. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Donc, voilà. Là, j'ai un lien, j'ai trouvé un lien, vous voyez. Hop. Vous avez juste à taper sur un torrent au hasard. Donc, torrent, comme ça. Ou torrent, un des torrents hein, dans la liste. Au hasard, je tape sur celui-là, vous voyez, hop, et voilà. C'est tout bête. Après, il y a juste à cliquer ici, hein, c'est marqué Download Torrent. Vous cliquez là-dessus et ça va vous le mettre automatiquement. Ouais, je vais vous faire voir. Hop, vous cliquez là-dessus. Bon, une page qui s'affiche comme d'habitude. Ça va vous mettre le lien de téléchargement en bas de la page. Vous cliquez dessus. Hop, voilà, là vous mettez OK, paf, et ça vous met en téléchargement. Je vais pas le retélécharger parce que je l'ai déjà. Donc moi je le retire. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué déjà à télécharger. Donc un jeu souvent en torrent, faut compter. Ça dépend de la connexion et souvent ça va très vite. Donc en 4 heures, un jeu de 3 gigas par exemple, en 4 heures vous pouvez l'avoir en 4 heures. Donc une fois que vous avez le jeu, donc je vous mettrai les liens. Donc déjà je vais vous laisser
Je vais laisser tout ceci. C'est pour pouvoir vous passer les liens tout à l'heure. Enfin, les mettre sous la description de la vidéo. Donc, comment mettre un jeu? Mystère. Donc, déjà, je vais vider ma petite corbeille. Hop, ça c'est fait. Donc, comment un jeu? Comment mettre un jeu? Quel mystère. Hop, ordinateur, téléchargement. Donc déjà, excédent, excusez-moi, Alexandra Lederman 8 sur PC. Donc j'en ai un là. Paf. C'est bien le 8 ça? Bah, oui. Attendez, ça ne doit pas être le bon celui-là. Attendez, parce que j'ai pas été voir de que je les ai téléchargés, bon, déjà, celui-là, c'est bon. Ça, c'est le 9. Mais le 8, il m'a l'air d'être bizarre. Comment ça se fait? À moins que je l'ai pas téléchargé. Là, c'est ma horse 2. Ah non, je l'ai pas téléchargé le 8. C'est pour ça. C'est pour ça me semblait bizarre. Non, c'est parce que je l'ai pas téléchargé le 8. Donc, je l'ai pas téléchargé. Ça, je vide. C'est pas complet. Voilà pourquoi. Donc c'est pas grave. Donc je mettrai les liens de toute façon du Mi Horse and Me 2. Donc ça c'est mon cheval et moi 2. Donc je vais vous faire voir comment déjà avoir le mon cheval et moi 2 et Alexandra Lederman 9. Donc par exemple, déjà le plus simple à avoir. Alexandra Lederman, la colline aux chevaux sauvages. Donc c'est le 9, Alexandra Lederman 9. Donc, si vous avez ce programme-là, Virtual Clone Drive, déjà d'installer, ça va être très rapide. Parce que vous voyez, le logiciel lit déjà le jeu. Donc, pour l'installer, vous n'avez qu'à faire deux clics dessus. Touk. Exécuter. Launch. Et voilà. C'est magique! Donc voilà. Je déconne un peu. Donc voilà, il y a deux fenêtres. Faut pas s'inquiéter de deux fenêtres que vous voyez ici. En fait, c'est parce que il y a deux parties de jeu, en fait. Il y a deux, voilà, on va dire qu'il y a deux histoires du jeu. Donc ça fait partie du même jeu. Donc, vous cliquez sur le premier, vous pouvez installer les deux. Installez-moi. Il suffit de cliquer sur installer. Voilà, mettre en français, oui. Suivant. Oui. Il est vraiment très simple à mettre celui-là parce qu'il n'y a pas besoin de crack, que rien, que dalle, que dalle. Il y a juste à faire deux clics dessus et vous installez le jeu. C'est vraiment easy, easy pour l'avoir sur PC. Donc suivant, 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 vous en foutez. Ok. Installez, installez. Donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Donc j'ai pas installé les deux, hein, c'est juste pour vous faire voir. Le lien, vous l'aurez, le lien, je vais vous faire voir, il est là. Je l'ai eu là-dessus, vous voyez. Alexandra Lederman, la colline des cheveux sauvages. Donc vous cliquez sur un des liens torrents, c'est marqué, hein, torrent aussi là. Donc sur un des liens torrents, vous cliquez dessus, hop. Vous le téléchargez, ça va vous prendre 4 heures maximum, on va dire. Une fois que vous l'aurez téléchargé, si vous avez bien mis le programme de lecteur virtuel, donc le clone drive, donc ça va vous mettre ceci avec une petite tête de, je sais pas, qui ressemble à rien. Et voilà, vous avez qu'à faire deux clics dessus et installer le jeu, et puis c'est dans la poche, hein, tout simplement. Donc voilà.
Alors, je sais pas si j'attends de l'installer pour vous faire voir que ça marche. De toute façon, ça marche, hein, mais c'est parce que ça va prendre du temps sur la vidéo. Après, ça va être long pour mettre tout ça en HD. Pas le rendu. Et ça m'embête un petit peu. Dépêche, Léon. Donc celui-là, je vais l'annuler, hein, parce que voilà. Bon, enfin, vous l'installez. Moi, j'ai annulé là. Vous l'installez, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Donc j'ai pas envie de la réinstaller, ça m'embête là, ça va prendre trop de temps sur la vidéo. Donc il n'y a pas de souci, hein, il marche nickel. Donc après un autre, donc que j'ai téléchargé aussi rien que pour vous, c'est Mon cheval et moi 2. Donc vous voyez celui-là, voilà pourquoi j'ai dit de mettre WinRAR l'installer. Parce que comme ça va vous mettre des pleins petits dossiers comme ça. Et là on se dit, oh, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Alors là, des fois, les choses se compliquent. Mais non. Donc, vous faites un clic droit sur le premier dossier, le 01, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, c'est, non, on fait pas tous, hein, je vous rassure. Le 01, vous faites un clic droit dessus. Extraire les fichiers. Donc, vous pouvez faire ici. Vous en foutez. Et voilà, ça va extraire. Et ça va vous faire un dossier ISO tout simplement. Magie, magie. Et voilà. Vous voyez? Des fois, on dit, oh, c'est compliqué, j'y comprends rien, plein de dossiers. Mais voilà. En deux clics, voilà, on décompresse pour se faire un petit dossier ISO. Et voilà. En fait, ça décompresse tous les dossiers, et puis voilà. Vous voyez, ça met tous les parties ensemble, en fait. Ça colle, ça recolle tout ensemble. En lecteur virtuel, tout simplement. Ça démonte les dossiers, ainsi de suite. On est au 18, 19, 1, 21, 22. Après, le temps que ça prend, ça dépend de votre PC, hein, la bête que vous avez. Tout dépend du processeur. Bon, désolé pour l'attente, hein, mais voilà. Si vous voulez voir comment on fait, pas trop le choix. Bon, des fois, si vous pouvez trouver un jeu, hein, qui est pas en dossier comme ça, hein, ça peut arriver, qui peut être en dossier ISO directement. Ça dépend ce qu'ils ont mis. Pardon, excusez-moi. Ça dépend ce qu'ils ont mis, le gars qui a mis ça en ligne. Ça dépend, comment il l'a mis en ligne, tout simplement. Donc voilà. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps comme ça en dossier WinRAR. Ça, c'est clair. Donc, celui-là, il me semble aussi qu'il n'y a pas besoin de crack, hein, il me semble. Il me semble bien. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais faire cela. Je vais mettre cela en ligne. Enfin, pour vous faire voir. Comme ça va être plus simple pour vous. C'est quand il veut. Hein. Patience, patience, c'est pas l'une de mes vertus. Désolé pour l'attente, hein, mais pas trop le choix. Allez, 80%. On va y arriver. Doucement mais sûrement. Allez!
On va y arriver. Et bon, c'est bien bon. 97%. Fini! Magie, magie! Donc, le souci, là. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille d'enlever tout ça. Sauf celui-là, hein, surtout pas. Non, non, le ISO, vous le laissez. Vous le laissez, surtout. Alors là, tout ceci. Vous prenez le tout et vous dégagez tout. Ça sert plus à rien. Vous pouvez supprimer. 3 gigas en moins pour commencer. Bon, il veut pas, si, il veut. Ah, c'est normal. C'est normal. C'est pas ça. Hop. Enfin bref, vous virez tout. Je vais couper le torrent parce que hop, à dégager. Donc voilà, ceci. Voilà, vous voyez, vous avez un dossier ISO maintenant. Donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Tout simplement. Comme l'autre que j'ai fait voir. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, exécuter. Autoroute. Enfin, installer tout simplement. Hop. On va baisser cette page. Et voilà. Des petits drapeaux. Donc, en français. Bien sûr. Installer. Et voilà. Bon, attendez un petit peu. Là, le stup, oui. Suivant, vous voyez, il n'y a pas besoin de crack. Hein. On peut l'installer directement. Et voilà. Mon cheval et moi. Deux. Et voilà. Et voilà, je vous ai fait voir deux jeux là, deux chevaux. En français en plus. Pourrez mettre en français. Très simple à avoir, très simple à installer. Donc voilà, je vais pas l'installer parce que j'ai pas envie. Ça va prendre trop de temps sur la vidéo comme j'ai expliqué. Donc voilà, vous attendez après que ça l'installe et puis voilà. Donc voilà. Donc moi j'annule, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc, non, pas ceci. Donc, je mettrai deux liens sur la description. Donc, vous cherchez le jeu en torrent, vous marquez bien PC. Et donc, je mettrai deux liens, moi, pour vous faire voir comment avoir. Donc voilà. Donc je vais mettre le lien. J'ai déjà préparé. Tiens, Alexandre, c'est quoi? Oui, mon cheval, Mi Horse. Donc vous tapez Mi Horse hein, parce que sinon il y a du mal à trouver. Game Copy World, on s'en fout. Mi 2 PC torrent. Hop, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous cliquez là-dessus, par exemple. Hop. Et voilà. Il va vous mettre des liens de torrent. Donc voilà, et vous l'avez ici. Hein. Voilà. Le premier, je vais essayer de vous faire voir un autre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? English. Ah non, j'ai multilis. Donc si vous voyez marqué multilis, en fait c'est parce que c'est un multilangue hein, tout simplement. Donc c'est le mieux multilangue. Donc vous voyez ici, voilà, j'ai trouvé du premier coup. Vous avez comme l'autre à cliquer, vous voyez, c'est deux trucs pareils. Donc là c'est pour Alexandra Lederman 9. Ici, mon cheval et moi 2. Vous cliquez sur un torrent comme ceci, pas plus compliqué que ça. Et voilà, ça va être marqué Dowon Torrent. Et puis voilà. Vous cliquez sur le torrent et puis voilà, ça va le télécharger et puis voilà. Donc je vous mettrai ces deux liens là en dessous de la vidéo. Donc voilà, je répète ce qu'il faut avoir en programme. Donc Virtual Clone Driver en deux WinRAR et
aussi avoir un logiciel de torrent ou télécharger un uTorrent. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je pense que j'ai été clair sur la vidéo. Donc si vous voulez un autre jeu, vous faites pareil tout simplement. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, si ça demande un crack, bah, c'est pas compliqué aussi. Bah, dans ces cas-là, je ferai une autre vidéo, on verra ça. Donc pour l'instant, ces deux jeux-là de chevaux, c'est sûr, il n'y a pas besoin de crack. Il n'y a pas besoin. Vous avez juste à le télécharger, à installer et ça fonctionne. Donc voilà, sur ce, bah, je fais un bisou à tous. Donc voilà, je me suis attardé pour cette vidéo parce que j'avais pas trop envie de la faire. Bon, pour de bonnes raisons. Et je la fais quand même. Donc, pour vous faire plaisir. Donc, s'il y a un souci, bien sûr, je vais enlever la vidéo. Ça, je me répète. Donc, sur ce, ben, je fais un bisou à tout le monde et puis portez-vous bien.